comme dans un bas de pente. Donc, dans ces endroits-là, on va souvent avoir une végétation qui peut être différente de ce qu'on a vu précédemment. Au niveau de nos plantes herbacées, on va avoir plusieurs espèces différentes, mais entre autres, on a les quatrinettes. Le nom commun, c'est dans la famille de la framboise, puis ça fait une seule framboise unique. C'est une espèce là, qui va souvent être dans les zones de ruissellement ou dans les milieux humides. Donc, vous allez remarquer, on voit présentement une seule petite fleur blanche. Et plus tard, en saison, on peut voir les petites framboises rouges qui sont comestibles et délicieuses. En passant, ça goûte un peu les framboises. Ce qu'on peut voir ici, encore là, dans un bas de pente, souvent on va avoir du ruissellement, donc une zone potentielle d'accumulation d'eau. Donc, on se ramasse avec un marécage à onoclée sensible, donc une freinée rouge avec beaucoup d'onoclée dans le sous-couvert. Donc, l'onoclée sensible, c'est un type de fougère là, qu'on voit fréquemment là, dans la réserve naturelle du Marais Léon-Provencher. On peut trouver différentes espèces rares, de plantes rares, ici sur le grand territoire là, de la réserve naturelle. Entre autres, on a du cypripède royal, qui est une magnifique orchidée qui vient quand même près d'un mètre de haut. C'est super beau, cette plante-là, mais elle est très localisée là, ici au Marais. Et sinon, d'autres espèces rares qu'on peut trouver le long du Saint-Laurent, dans les milieux humides associés au fleuve Saint-Laurent, ce sont la gentiane et la succulente de Victorin. Et on a aussi la vergerette de Provencher, qui est une petite plante qui est très jolie, là, une petite fleur mauve qu'on peut trouver près des roches là, en bordure du fleuve. Présentement, on se retrouve dans une cédrière et celle-ci est vraiment très dense. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus vraiment de végétation au sol. Ce qui reste, c'est les branches ou les feuilles des tuyas. Ça a quand même une assez grande importance pour la faune parce que ça permet aux micro-mammifères de se déplacer et aussi ça fait en sorte qu'il y a moins de neige au sol. Dans certaines cédrières, il peut y avoir aussi de l'orchidée qui va pousser dans ce type de forêt. Promener au printemps au Marais, ici, sur ce magnifique territoire, vous allez pouvoir observer des violettes. On voit là, différents types de violettes. Il y en a de différentes couleurs. Ça peut être des jaunes, ça peut être des mauves ou des blanches. Il faut savoir que pour identifier ces plantes-là, souvent, ça nous prend des clés spécialisées. Donc, c'est pas si simple de les identifier, mais quand même, vous pouvez les observer, ce sont de jolies petites fleurs. Dans les autres printanières que vous allez observer facilement, vous allez pouvoir voir la treille dressée, qui est une jolie fleur rouge, là, quand même souvent très voyante là, au printemps, qui fait un bon contraste. Elle est très jolie. Par contre, il faut savoir qu'elle dégage une odeur nauséabonde. Donc, si vous la sentez de près, vous allez vous rendre compte que c'est pas une super odeur. Mais c'est sa tactique pour attirer les insectes pour sa pollinisation puis sa reproduction. Dans les autres espèces qu'on peut voir quand même tôt au printemps ou un petit peu au début de l'été, le long des cours d'eau ou dans les milieux très humides, il y a le populage des marais qui est une jolie fleur jaune vif là, assez grande et des grosses feuilles un peu en forme de rein. Là. Au niveau des plantes printanières, leur particularité, c'est que ces plantes-là vont faire leur cycle de vie là, super rapidement avant que les feuilles dans les arbres s'installent. Par contre, il faut savoir que ces plantes-là ont un cycle de vie très long. Souvent, ça prend plusieurs années avant qu'elles puissent se reproduire, donc c'est important de ne pas les cueillir. De profiter de leur présence, de les observer, mais de ne pas faire de récolte de ces espèces-là. Une autre plante intéressante que vous pouvez croiser ici, c'est la vigne de rivage. Dans le fond, c'est une plante grimpante, donc on voit s'enrouler ou grimper le long des arbres. Ça fait vraiment des petits raisins, donc c'est comestible, on peut manger ces petits raisins-là. Mais ce qui est impressionnant, c'est quand les vignes sont assez matures, ça fait vraiment des lianes, là, comme dans une forêt tropicale. Donc, des fois, on pense pas qu'on a ce genre de plantes-là au Québec. Profitez de ce que vous avez aux abords des sentiers. Le piétinement répété, ça fait des menaces quand même à l'intégrité de l'écosystème. Puis c'est pas recommandé ou permis dans une réserve naturelle comme
la réserve naturelle du Marais-Léon Provençal.